Allô! Hey, on vous a négligé un petit peu ces jours-ci parce que... J'en ai pas fouille! Toi, t'es pas fine. En fait, on vous a pas négligé, on savait pas de quoi vous parler. C'est comme une vie de couple. Ça se peut des bouts, tout le temps, il n'y a rien à dire. Moi, ça fait 20 ans qu'il n'y a rien à dire. Ceci dit, aujourd'hui, on vous partage une capsule qui va ouvrir la porte à plein d'autres capsules. Puis là, on va être fourré. Oui, là, on est dans l'auto. Je touche pas au cellulaire, il est sur son support. Ben, dans les deux mains sont là. Oh. On peut appeler ça une auto? Ouais, on est dans la smart. On est en route pour de coin de Valley Field. C'est quand même 3 heures et quelques chez nous. En fait, avant de continuer, merci encore une fois de nous suivre. Ça va valoir la peine que vous cliquiez s'abonner parce qu'on va avoir plein de belles capsules qui s'en viennent. Pourquoi je vous dis ça? C'est que Kiki a la chance de m'avoir épousé. Et tu fais même, elle va pouvoir promener ses foufous dans un new motorisé. Un mobile home. Un mobile home. En fait, c'est le mobile à Bob. Donc, on a fait des capsules déjà sur notre petit motorisé. 2-3 capsules. Puis, honnêtement... C'était trop petit. Petit motorisé, vraiment petit motorisé. On est allé, il y a quelques jours, on n'en pouvait plus de la maison, on était plus capable. Fait qu'on a embarqué dans le motorisé, on est allé se stationner sur le bord du fleuve. On a dit, bon, couche-là, il faut changer. Bon. Quand on s'est levé le lendemain matin, Wiso and Cricri was regarding together, puis ça marchait pas. C'est trop petit. Puis ça reste que on est deux personnes volumineuses. Fait qu'on a acheté, en fait, on a vendu le petit motorisé. Il est parti ce matin. Et on a acheté un nouveau motorisé équivalent pour supporter notre poids. Fait qu'on était en route, on s'est acheté un motorisé, un classe A de 33 pieds. Bon. On devrait être bon pour bouger les orteils. On devrait. Oui. Fait que là, en ce moment, excusez pour les bosses, hein? En ce moment, on est en route justement pour faire l'acquisition. On a négocié, parlé en vidéo, fait que tu comptes tout le tralala. C'est fait, on est en route, on a l'argent dans nos. On a-tu l'argent? Oui, ben oui. OK. On a l'argent dans nos. J'ai eu un petit moment de panique. On est en route pour aller justement. Ramasser le nouveau motorisé. Acquérir. Ce qu'on va faire, en fait, c'est pas compliqué, c'est que, rendu là-bas, on va louer chez U-Haul un petit appareil pour mettre la Smart dessus. Ça va nous éviter, à ce moment-là, de conduire deux véhicules. On va tirer la Smart en arrière pour pouvoir au moins revenir ensemble dans le motorisé. Fait que, puis l'avantage avec U-Haul, il y a une plug à U-Haul. En passant, U-Haul, n'est nullement notre commanditaire. Non. Mais, point en parenthèse, c'est qu'on peut louer à un endroit et le laisser à un autre. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, on va le louer là-bas et le laisser à Québec. Là, c'est un dollar qu'on appelle ça pour mettre un véhicule dessus. Fait qu'en gros, c'est ça. On est en route pour là-bas. On vous fait suite de ce qui s'en vient. On va vous partager ça. C'est parti! Mais, en tout cas! L'économie locale, c'est ce que les gens vivent aussi. Et acheter de nos commerçants locaux, c'est faire partie de la solution. Ensemble. Hello. Finalement, il s'est passé un gros 24 heures avant qu'on fasse suite aux petites vidéos dans l'auto. On s'excuse pour le son en passant. C'était pas terrible le son dans l'auto. En tout cas. La situation sera corrigée sous peu. Finalement, c'est ça. On a fait un changement dans notre vie. Oui. C'est petit trot est rendu grand galop. Oui, c'est ça. C'est notre gros Ginette. Oui, c'est la mobile à Bob. Oui, il y en a qui avaient de l'Uberton, nous autres, c'est notre Ginette. C'est ça. Oui, toi.
Ben, en fait, l'histoire raccourcie, sans faire un grand plat, c'est sûr que vous allez, ben, en fait, tout le monde, nos followers, ceux qui, les gens qui nous suivent, vous allez probablement voir cet habitacle quelques fois dans les prochaines capsules, parce que c'est notre deuxième maison. On a fait le mot. Ben, en fait, l'histoire raccourcie, on peut vous conter qu'est-ce qui s'est passé avec le petit motorisé. Ouais. Ouais. Compte-nous. Ben, en fait, on est allé faire dodo sur le bord du fleuve. Puis c'était notre première fois qu'on couchait dans le petit, petit motorisé. Et puis, après une nuit, ben, on a réalisé que c'était vraiment trop petit. Fait que finalement, on a décidé de vendre le petit motorisé. Et dans une heure, il était vendu. Mais c'est ça, mais finalement, quand on est revenu du fameux bord du fleuve, comme ma femme vous dit, c'est qu'on a pris conscience, on s'est regardé, puis j'étais, moi le premier, j'étais un peu déçu. Mais je voulais pas trop en parler. C'est comme délicat. Finalement, elle me regarde, puis elle me dit, c'est pas grand, hein? Fait que finalement, ben, on s'est rendu compte tous les deux qu'on n'était pas trop fiers de la situation, ni un ni l'autre. Fait qu'on a pris la décision, tous les deux, d'annoncer le petit motorisé sur Kijiji, Marketplace. Kijiji. C'est pas tout à fait ça, là, c'est fictif, mais vous donnez une idée. 2h l'après-midi, je prends les photos. 2h15, sont sur Marketplace. 2h30, j'ai un appel. 3h15, il est vendu. Ouais. Ça ressemble à peu près à ça. Ouais. Fait que là, finalement, ben, on a magasiné pendant une journée ou deux. Puis, on a trouvé notre Mobile Bob, notre fameux Ginette. Ouais, notre gros Ginette. Qui va devenir un peu notre deuxième maison. On est très contents. Honnêtement, c'est grand, c'est un méchant temps. Vous avez. Vous faire le tour dans quelques secondes, mais honnêtement, on est très contents, c'est très luxueux, puis il y a de la place. Puis tu sais, comme deux tours, comme nous autres, ça prend un minute. Ben en fait, plus... Je parle pour toi, hein? Plus, c'est plus de l'amour en grande quantité. Chris! Ben oui. Fait qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on voulait juste vous dire ça, que c'est beaucoup chambardé depuis un petit bout, officiellement, c'est sûr que ça brosse. Le COVID, le déconfinement a commencé tranquillement, puis ça commence à bouger. Moi, je vais réouvrir mon salon de tatouage à partir du 1er juin. Là, les règles sont instaurées, on a commencé à préparer l'ouverture. Fait que je vais recommencer à tatouer à partir du 1er juin. On va être réveillés, on va gagner notre vie. Ouais. Fait qu'on pourra on va vous faire suivre ça éventuellement aussi. Mais encore une fois, n'oubliez pas de cliquer, suivre, s'abonner. Vous allez pouvoir voir les capsules journalières qui m'ont passé. Merci beaucoup de nous suivre. Et hey, puis, il y a plein de belles choses qui s'en viennent sous peu. On va avoir des bons moments là-dedans, on va pouvoir partager ça. Fait qu'encore une chose, encore une chose. N'oubliez jamais que même quand ça va mal, il faut prendre ça à la légère en se disant...